On en vient à la rencontre entre Félix Tshisekedi et le cardinal Ombongo en République démocratique du Congo. L'occasion pour le cardinal de clarifier ses positions. Ces dernières semaines, il avait eu des propos très durs envers les autorités du pays. Et vous le savez, l'Église a une influence considérable en RDC. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara Kibangula. Là où les hommes se parlent, les choses sont claires. Ce sont les propos du cardinal Fridolin Ombongo, relayés par la présidence congolaise au sortir de son entretien avec le président Tshisekedi. Les deux hommes ne s'étaient pas vus depuis l'élection de décembre 2023. Alors selon la présidence, c'est le cardinal qui a sollicité cet entretien. Un entretien qui a duré plus de 2 heures et qui a servi, dit le cardinal, à dissiper des malentendus. Ces dernières semaines, le cardinal a eu des mots très durs envers les autorités. Dans ses homélies, il a plusieurs fois dénoncé la mauvaise gouvernance et la gestion des autorités de la crise dans l'est du pays où sévissent les rebelles du M23 depuis plus de 2 ans. Des propos qui lui ont valu l'ouverture d'une information judiciaire. Alors après cette rencontre, les relations semblent maintenant apaisé. Le cardinal explique, je cite, que normalement il n'y a plus de problème et que l'Église et les autorités sont condamnées à travailler main dans la main pour le bien-être du peuple.